Le Nouveau Siècle, c'est un énorme bâtiment qu'on a appelé dans le temps à Lille le trou du Diplodocus, parce que ce bâtiment devait s'appeler le Diplodocus quand il devait être construit par des promoteurs privés. Et dans ce bâtiment, il y a à la fois un auditorium, des salles de réunion, des bureaux et des appartements. À la fin des années 70, lorsque la région Nord-Pas-de-Calais connaissait une crise sans précédent, on fermait les usines, on fermait les mines, on fermait le textile, on fermait la sidérurgie, le chômage explosait, et puis on allait fermer l'orchestre de l'ORTF. Et Pierre Borroy, qui était alors président de l'établissement public régional, l'aïeul de la région, a dit « Non, on ne va pas fermer. Au moment où la crise s'abat sur la région, eh bien, on va crier notre espoir pour demain à travers le sauvetage de l'orchestre qui est devenu l'orchestre régional, puis l'orchestre national de Lille. » L'orchestre était longtemps nomade. Nous étions hébergés au Grand Séminaire à Lille et nous répétions dans une salle très étroite. Ensuite, nous avions joué au Sébastopol, à Lille, à l'Opéra, dans les salles de fête, et jusqu'au jour où le Nouveau Siècle a été racheté par la région et est devenu le siège permanent de l'orchestre. Voilà. Il y a une vingtaine d'années, la ville de Lille, qui était propriétaire de cette salle, a proposé à la région de lui céder cette salle. Et la région a racheté cette salle de spectacle à la ville de Lille pour y accueillir la salle de répétition et la salle de spectacle de l'Orchestre National de Lille. Désormais, il avait le Nouveau Siècle, mais avec un problème de son. Problème de son qui se pose pour le public, parce qu'il y a un tiers des salles seulement où on entend bien tout le détail et la finesse de l'orchestre symphonique. Et pour les musiciens eux-mêmes, parce qu'ils n'ont pas ce qu'on appelle en langage technique de retour. C'est-à-dire qu'ils ne s'entendent pas. Donc avec le risque de jouer plus fort. Et d'ailleurs, c'est difficile aussi pour les chefs qui viennent, à commencer par le chef permanent, Jean-Claude Casadesus. C'est une difficulté objective. Aucun grand orchestre dans le monde n'est grand s'il n'est pas accompagné de son instrument qui est la salle de concert. La salle de concert, c'est un petit peu comme le Stradivarius pour un grand violoniste ou le grand Steinway pour un grand pianiste. Si vous sortez les plus grands orchestres du monde de leur salle, qui en général sont remarquables, vous les faites jouer dans une salle ordinaire, ils perdent une capacité gigantesque de leur sonorité, de leur talent, de leur impact. Je me dis que cette grande métropole, qui en plus de ça vient de s'illustrer avec un formidable challenge, on est champion, comme on dit, eh bien il faut qu'on soit champion à tous les niveaux de la qualité pour la culture. C'est une région très culturelle, c'est une région qui a fait le pari de la culture. D'abord avec Pierre Mauroy, ensuite Martine Aubry et Daniel Percheron. Je veux dire, c'est formidable pour des artistes de se dire qu'on est dans une région qui a envie de préserver cette part d'humanité. Avec le Louvre à Lens, maintenant, avec l'Opéra de Lille, avec tous les musées qu'il y a dans cette région. La seule légitimité de l'art et des artistes, c'est la qualité. Au bout de 20 ans, on se rend compte qu'il faut rénover cette salle. Et Jean-Claude Casadesus nous a dit « Mais puisque vous devez rénover cette salle, est-ce que vous pouvez faire de cette salle un joyau d'auditorium pour que la musique prenne tout son sens, toute sa qualité dans ce lieu ?» Et nous nous sommes dit « On est sur une histoire de rénovation qui nous coûte 5 ou 6 millions si on la fait normalement, sans se préoccuper de ça, et qui nous fait... 8 ou 9 millions, si on se préoccupe de ça, on s'est dit, mais ces travaux, on les fait une fois tous les 20 ans ou une fois sur les 30 ans. Et c'est vrai que Lille, avec le formidable ambassadeur qu'est Jean-Claude Casadesus, peut largement justifier d'avoir une salle qui soit l'une des plus belles salles, les plus beaux auditoriums qu'on ait au nord de Paris. Donc on a décidé de le faire. Aujourd'hui, on a des techniques qui permettent de maîtriser des acoustiques parfois défaillantes. Alors, il y a une équipe d'acousticiens, une équipe d'architectes. Nous voulons créer une salle qui soit digne de tous les grands ensembles du monde. C'est au cours d'un entretien avec Jean-Claude Casadesus qui me dit, de toute façon, la meilleure salle
Sur le plan acoustique, c'est la boîte à chaussures. Bon, la boîte à chaussures, immédiatement, l'image vous vient à l'esprit. C'est donc une salle parallépipédique. Or, nous sommes en présence, non pas d'une boîte à chaussures ici au Nouveau Siècle, mais plutôt d'une espèce d'hémicycle en forme de coquille Saint-Jacques. Les problèmes acoustiques, c'est une chose. Les problèmes techniques et les problèmes de sécurité en sont d'autres. Or, il faut régler ces trois problèmes. Et à un moment donné, j'ai pensé que peut-être en introduisant une boîte à chaussures dans la coquille Saint-Jacques, on pouvait faire d'une pierre deux ou trois coups. Il y aura 177 places. Nous avons ici une maquette qui représente la moitié de la salle. Et la proposition que nous avons faite a consisté à construire et disposer à l'intérieur de la salle existante une nouvelle paroi qui va permettre de conférer à cette salle une forme beaucoup plus régulière, comme un parallépipède rectangle plutôt qu'une coquille Saint-Jacques, et qui va permettre aussi de réaliser des espaces qui vont régler les problèmes de sécurité, régler les problèmes techniques, et qui vont donner la possibilité derrière les loges, derrière les balcons, de créer des salons de réception. Et ça n'est pas pour autant que la jauge diminue, parce qu'aujourd'hui nous sommes à peu près à 2000 places. Et bon, cette proposition que nous faisons nous fait perdre à peu près 100 ou 140 sièges uniquement. Nous avons des petits moyens, mais à Lille aussi, on avait une équipe de football qui n'était pas considérée à l'échelon national et international. Aujourd'hui, elle prouve qu'avec son énergie et des moyens qui sont inférieurs à d'autres grandes équipes, ils peuvent gagner. Donc, de tout mon cœur, je pense que je formule le vœu que nous gagnions ce challenge. La culture, quand même, c'est une place très importante dans la vie des civilisations et dans l'avenir des peuples. Et nous y croyons fortement. En amour, comme disait Cocteau, il n'y a que des preuves d'amour. Je considère que cette décision fait partie des preuves d'amour qui touchent. En tout cas, merci.